Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Hello Neighbor. Donc on reprend une session, hein, si je puis dire. Hop, on va aller se faire pécho. J'ai quand même envie de vérifier parce qu'il vient tout le temps par derrière nous. Est-ce qu'au moins il est derrière nous? Apparemment non. Où est-ce qu'il vient alors? Ah d'accord, donc il apparaît en fait. Il apparaît tout simplement. Ok, bon bah on y va, hein. On coupe les lumières, il fait jour. Hop! Ah bah il faisait jour. Enfin il commence à faire jour, on va dire, voilà. Bouteille d'eau. Sait-on jamais. Alors est-ce qu'on commence par là? Alors on sait qu'on passe pas par les fenêtres. Enfin, moi j'ai pas réussi. Pour la petite information, chers amis, il semblerait aussi qu'il y ait un bon nombre de... Hop. Alors j'ai trouvé des boutons au passage. Hop. Qu'il y ait un bon nombre de builds différents de lancer sur Steam. En l'occurrence, moi j'ai un build, mais il est possible que certains d'entre vous aient d'autres builds, par exemple... un build plus avancé. Apparemment le mien n'est pas le plus avancé du tout, hein. Il y a des gens qui ont déjà des builds beaucoup plus avancés que nous au niveau de leur... Il s'est pas sorti? Voilà. Ah, il en a rien à foutre de son carreau maintenant, c'est nouveau. Ok. Bon. Ça va, il est à peine chiant le bonhomme. Par là, ce n'est pas une planque. Hop. On essaye des choses, hein. On essaye des choses. What? Mais comment il a su? Qu'est-ce qu'il foutait par là, en fait? Ah puis j'aime pas de nuit en plus, c'est chiant, on y voit que Pouix, s'il pose ses pièges on va en chier. Ah c'est dégueulasse. Bon tant pis, je pète tout maintenant. Alors normalement on est censé pouvoir appuyer sur les... sur les pièges. C'est sérieux là? Sort. Ce qui veut donc dire que la fenêtre va être ouverte. Que la porte va être ouverte. Hop. Il y avait un marteau à la main ou je rêve? Hop. Putain, il a la fenêtre. Il y a deux secondes, il était à la fenêtre. Vous avez vu ça? Pour nettoyer.
Ok. Ok. Caméra est toujours là. Oula, monsieur commence à péter des durites par contre. Hop. Alors là, y a rien. Putain, y a un seau. Bon, je suis dedans. C'est déjà ça de pris. On y voit que Pouic. Y a pas la lumière à tous les étages, comme on dit. Allons-y, allons-y, allons-y. Apparemment. Ok, bon, bah, tant pis. Bon, apparemment, il y a personne qui bouge. Attention quand même s'il a pas posé des pièges. Apparemment, il n'y a pas de piège par là. Oh, c'est fermé ça. Alors. Il bouge. C'est parce que j'ai bougé la chaise? On va essayer quelque chose. Hop. Il a pas bougé. Toujours pas. Pourquoi c'est... Oh putain, il a bougé. Ouh, la clé. Oh non! J'aurais dû sortir par la porte. Ok, bon bah c'est pas grave. J'ai entendu le petit violon au fond, je sais pas si vous l'avez entendu vous, chers amis. Mais au moins on sait où est la clé à ce début-là.
On sait comment la faire fonctionner, faut rester appuyé sur le clic gauche. Bon, par contre, là, il a dû bien s'améliorer, le pauvre garçon. Attention au piège, Marcus. Ça peut me faire croire qu'il va me rejoindre par une fenêtre. Est-ce que je peux me déplacer comme ça? Non, apparemment non. J'aime pas, je l'entends accélérer des fois. Qu'est-ce que... Il a aucun moyen de me voir, hein. Oh là 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 là, il a aucun moyen de me voir, mais il savait où j'étais, c'est dommage. Ça, c'est un peu dommage. Là, je suis assez déçu. Là, je suis assez déçu. Bon. Qu'est-ce qu'il fout? Ah bah oui, là, c'était clair comme un... comme de l'eau de roche. C'était clair comme de l'eau de roche. Bon. Bon. Il n'y a plus de lumière. Chier. Il a mis une caméra là-bas. Ah, il n'y a plus le cadenas. Bon, j'ai plus la capacité de monter non plus. Faudra donc le marteau. Je crois que si je tiens un outil, il me voit. Ah, il court le bonhomme, hein. Il me cherche.
Je crois qu'il doit me voir à travers un mur. Il va me trouver. Alors je l'envoie ailleurs. Je crois que je viens de le voir, mais juste à côté de moi. Non? Et le coach, on sait le trouver où? Forcément. Et le code? Putain, il y a un papier là-bas. Putain, mais il y a un papier là-bas! Ah, je suis en stress, hein. Pourquoi il l'a fermé complètement? Oui, il commence à ouvrir les armoires. Ah, il m'a vu. Non? Ah, il s'est peut-être mis en rage, hein. Oh non! J'ai toujours pas le code, cela dit, hein. Le code, le code, le code. C'est quoi le code à la base? Parce que j'ai jamais vu, en fait j'ai jamais entendu parler du code. Hop. J'ai jamais entendu parler du code. Hop. Alors. Ok, allez, accélère. Où est ce fichu code? Parce que je pense. On va aller voir, chers amis, c'est pas grave, j'irai voir pour la deuxième vidéo que je tournerai. Hop!
Je pense, chers amis, sans trop me tromper, que là, avec les deux choses que j'ai enlevées, il n'en aura pas rajouté. Ah, mais par contre, il a enlevé toutes les poubelles. Voilà, vous voyez, il n'en aura pas rajouté. L'avantage, c'est que là, il fait jour, du coup, je peux me permettre d'aller dans le jardin. Tout en ayant une bonne vision de... C'était pas l'idée du siècle, hein. Qu'il aura ouvert. Peut-être pas les meilleures idées que j'ai eues, ça. Peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Pourquoi j'ai des lags d'un seul coup? Le truc, c'est qu'il faudrait que je trouve où est-ce que je dois aller, quoi. Juste là. Hop. Il n'a rien vu. Qu'est-ce que... Ok. Il a pas ouvert. J'aimerais bien qu'il ouvre la porte du garage. Hop. Tu viens même pas ouvrir la porte, mon salaud. Alors? Là, il est là. What? What? Ça va, c'est pas trop dur. Ouh. Cette lumière verte en haut. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Bon bah écoutez chers amis, du coup je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yop. Je pense que je vais relancer le jeu. Me renseigner un petit peu sur où sont les endroits où peuvent être le code, parce que là on n'a pas vu une seule fois le code, on me dirait on n'avait pas vu une seule fois le marteau ou la clé avant. Mais bon, on va voir ça, je vais regarder si ça se trouve facilement ou pas, si j'arrive pas à les trouver, ben je retenterai ma chance, et on verra. Bon, voilà. Salut !